Ouais, je vous laisse liker, je vous laisse partager les amis. On va faire un petit check en direct, un petit check en direct à Carrefour. On va essayer de rester un peu relativement scred. Donc déjà Ferrero, hein, la fête du slip. Hein. Joyeuse Pâques. Hein. Joyeuse Pâques, vous m'entendrez pas trop. Allez, on va faire un tour. Allez voir s'il y a une promo sur l'huile. Je vous laisse liker, je vous laisse partager. Hein. On va aller voir un peu les prix de, entre guillemets, les prix de première nécessité. Ah ben voilà les amis, regardez. Donc voilà. 6 bouteilles par foyer, merci de votre compréhension. On va regarder les prix en même temps. Bah déjà les premiers prix, il n'y en a plus. Hein. Les premiers prix, il n'y en a plus. Putain, je vous laisse regarder. Regardez bien. Et c'est à moitié vide et il y a la restriction sur l'huile. Hein. Les premiers prix, il n'y a plus. Une grosse bouteille, là, Isio 4, 6,10 €. Il y a quoi? Il y a 2 litres, 3 balles le litre, quoi. 3,45 €. Ouais, c'est un truc de malade. C'est baisé, les amis, hein, je vous le dis. Alors, je baisse la caméra pour qu'on puisse voir les personnes, mais c'est un truc de malade, quoi. Donc, la vinaigrette, je vous en parle même pas, hein, tout ce qui est à base de... Tout ce qui est à base d'huile, voilà, le prix, le petit pot de puits de vinaigrette, on est sur de la marque, sort de Carrefour, 5,30 € le litre. 5,30 € le litre, hein. Fais ta vinaigrette. Hein. Fais ta vinaigrette. Je vois pas de commentaires, par contre, je sais pas si vous en mettez. La moutarde aussi, j'avais vu l'autre coup qu'il y avait des... Voilà. La moutarde, c'est pareil. L'autre coup, j'avais remarqué qu'il manquait des... Voilà, les premiers prix, regardez. Il n'y a pas d'approvisionnement en moutarde, hein. Il y a plein de rayons vides. Donc je vous le dis, hein, c'est pas des flancs. Hein. Donc l'essence augmente, on va aller voir le prix du sucre. Ça c'est sucre en morceaux. Bon, premier prix, sucre, ça va, ça reste correct. 0,74 € en sucre poudre et 0,88 € sucre en morceaux. Le sucre, je pense que ça reste à peu près correct. Il y a un rayon vers lequel vous voulez que j'aille voir éventuellement les prix. La maillot. Allez, on va aller voir la maillot. Ah oui, la maillot avec de l'huile, bien sûr. La maillot avec de l'huile. Le prix de la maillot. Allez, on tape sur de la mayo, premier prix, la mayonnaise de la marque. Voilà. Le premier prix, celle-là. Voilà. Hop. Donc le tout premier prix, hein, prix, premier prix de première nécessité, 1,05 €. 1,05 € les amis. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres prix? Allez-y, j'en profite, dites-moi, est-ce qu'il y a un prix que vous voulez que j'aille voir? Donc on a pris la moutarde, on a pris l'huile, on a pris la vinaigrette, puisqu'il y a besoin de vinaigre pour faire de la. Enfin il y a, pour faire de la vinaigrette. Donc ouais, ta vinaigrette, elle te revient cher quand même. Hein. Donc la moutarde, j'avais vu. Ouais, déjà l'autre coup j'avais dit, on m'a dit non, mais ils ont peut-être pas eu d'approvisionnement, mais le café, allez, on va aller voir le café. Ok, on va aller voir le café. Le café, bah c'est juste derrière, on y est. Le café. Le café.
Écoutez, bon, on va prendre par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre moi, on va taper sur du Senseo. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Premier prix, 48 dosettes. Premier prix, les 48 dosettes, on est à 2,65 €. Donc au kilo, on est à... Ah les gars, vous n'allez pas me faire tourner dans tout le magasin non plus, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Le café, allez, café en poudre, classique, on va aller sur du classique. Les tout premiers prix. Donc ça, en lot d'un kilo, 4,19 € le kilo du coup. Hein, 4,19 € le kilo. Sa grand-mère, je vous dis pas comme elle pique, sa grand-mère, la grand-mère au kilo, elle fait 7,05 €. Hein. Il y a 3 € de différence entre la grand-mère et le premier prix. Les œufs, le beurre, ok, d'accord, je note, hein, j'essaye d'enregistrer. Après, on va aller voir sur le café classique de base. Donc ça, café soluble, hein, les premiers prix. On est à 3 balles les 200 grammes, 3 balles les 200 grammes, 3,08 € les 200 grammes. C'est hallucinant, les amis. Moi, je vous le dis, c'est hallucinant. La farine, alors attends, j'ai vu la farine. Comment te contacter en MP, cher ami? Contacte-moi en MP. Ou si tu veux venir directement sur le live, mais je voudrais pas trop me faire cramer non plus. Après, je filme personne, mais la farine, elle est où la farine? Je vais essayer de vous trouver la farine. La farine et les œufs. La farine, elle doit être pas loin d'ici. Là, c'est les gâteaux. La farine, ça doit être de l'autre côté. La farine. Je trouve pas la farine, les amis. Je la cherche, la farine. Allez, on va aller voir ça tout. Donc, ça vous donne une idée. Hein. Les prix, ils sont en train d'exploser. Les prix explosent. Hein. C'est la fête du string. Hein. Ah, l'huile d'olive et puis tout ça, je vous en parle même pas. Mais bon, quand même, hein, je vous le remonte. Hein. Certaines références d'huile sont momentanément indisponibles. Mais le moment, il va durer très longtemps, le moment. Et pour que tous nos clients puissent en profiter, c'est 6 bouteilles par foyer. Hein. 6 bouteilles par foyer. Mais le momentanément, il va durer très longtemps, mais je vous le dis. Hein. Bref, la farine. On va essayer de trouver la farine. Elle est où, la farine? La farine, les pâtes. Ah, les pâtes, intéressant les pâtes. On va aller voir le prix des pâtes. Pareil, hein, moi je vais comme quand je vais pour faire mes courses, je vais au premier prix, je vais à l'essentiel, je vais au moins cher. Hein. Donc les tout premiers prix, un kilo, ça, un kilo de macaroni, 1,22 €, ça fait mal, 1,22 €, 1,22 €. Les fusillis, 1,25 €. Les coquillettes, 1,22 €. Et je tape vraiment dans le premier prix. Allez, la farine. Je trouve pas la farine, les amis. Je cherche la farine, mais ouais, bah grand-mère, 7 balles le kilo, la grand-mère. Hein. Le café de grand-mère, il fait 7 balles. Et soi-disant qu'elle le fait bon, son café. Merde, elle est où la farine? C'est un truc de ouf. J'ai loupé la farine. Je la trouve pas. Bon, l'alcool, ça sert à rien. Vous m'avez parlé des œufs. Le bio, c'est même pas la peine, j'ose même pas aller voir le bio. Le bio, j'y vais pas, ça va me faire peur. Ouais, je trouve pas la farine. Le sucre, c'est fait déjà, le sucre, c'est déjà fait. Le sucre, vous regarderez le live tout à l'heure, j'ai déjà été au niveau du sucre. Le bio, j'ose même pas regarder, hein. C'est les champs bio, mascarade. La farine... Bah sinon le pain, on va aller voir le pain.
J'espère que je vous file pas trop le mal de mer là, parce que forcément j'ai pas pris le stabilisateur. On va aller voir le pain, la farine, elle devrait pas être loin du pain normalement. C'est bizarre que j'ai pas trouvé la farine. La farine normalement elle aurait dû être vers le sud par là. Ouais, sûrement vers les œufs, je pense. Le pain. 4 euros une brioche hein, quand même. Hein. 4 euros une brioche. 4 balles la brioche. Le pain, bah ouais, la baguette premier prix, elle est un peu plus chère qu'à Leclerc. Édouard, il l'avait mis à 35, là on est à 42 centimes. 42 centimes celle-là. 42 centimes celle-là. Ah, c'est cher, je vous dis franchement, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Tout est cher en fait. Tout est cher, tout est cher. Après forcément c'est qu'on n'a pas bien le. On n'a pas bien le choix. Les paniers, j'en parle même pas. Les boîtes pour le chat, bah attends, je suis juste à côté pour les animaux. Donc on peut aller voir tout de suite. Je suis juste à côté, j'y suis au chat. D'ailleurs j'en ai un de chat moi aussi. Donc moi après c'est des croquettes que je lui file. Donc voilà, mais les boîtes. Les boîtes, j'imagine les boîtes au premier prix, je n'osais même pas imaginer ce que ça donne. Mais sur de la boîte comme ça, de la boîte comme ça, on est à 50 centimes la boîte. On tourne sur le Whiskas, c'est même pas la peine, c'est 2,32€ le kilo et l'autre 1€. Ouais, après les animaux, je sais pas trop. Pour les animaux, je sais pas trop. Mais il commence à y avoir des produits manquants hein, quand même. Il y a des produits, le ravitaillement, il se fait pas bien. Hein. Par contre, je comprends pas, c'est la farine. Je sais pas où elle est la farine. C'est chelou, je trouve pas la farine. Ils l'ont planquée. J'aimerais bien qu'il y ait un vigile qui vienne me dire vous sortez, c'est pas bien. Hein, capitaliste. Ah, peut-être là la farine. Les œufs, on y arrive aux œufs. Les œufs. Allez, les œufs. Les œufs, les œufs, les œufs. Forcément, il y a des trucs qui manquent. Je vous laisse regarder. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, on va pas aller sur du bio. On va aller sur moi ce que je prendrais en temps normal si il n'y a rien. Il y a de la pénurie. Au niveau des œufs, il y a de la pénurie aussi. Hein. Là, il y a du. Ouais, mais c'est de la promo. On est sur de la douzaine. Là, on est à la douzaine locale. 2,65€. Normalement, 2,0. Celui-là, 2,09€, mais il n'y a rien. 2,19€. Et sur la demi-douzaine, de toute façon, ça sera plus cher. Hein. Allez, les plein air de. Pas du Carrefour, c'est hallucinant, c'est hors de prix les loulous, hors de prix, hors de prix, hors de prix. Le lait, allez, on va aller faire un petit tour au lait. Et je vous dis, je tape dans les premiers prix, hein. Même les premiers prix, c'est hallucinant quoi. Ouais, puis c'est tellement bien affiché leur truc. Le Carouf, celui-là, le Carouf, 88 centimes le litre. Mais ouais, je la trouve pas la farine. 88 centimes le litre, là, le premier prix en lait, c'est 88 centimes le litre. Le fromage, moi aussi, le râpé de temps en temps. On aime bien mettre, faire un petit plaisir de mettre du râpé dans ses pâtes. Un petit confort qui devient presque un luxe maintenant. Donc ça, en premier prix, les 500 grammes, on est à 5,90 le kilo. 5,90 le kilo. Attends, c'est quoi ce délire? 5,90, ouais, du coup, vaut mieux l'acheter comme ça. Là, on est à 5,55. Donc, vaut mieux acheter 5 paquets comme ça revient moins cher au kilo.
Ou alors c'est moi qui vois mal. Non, 5,55. Mais non, là-dessus. Mais en plus, ils se sont pinés sur les prix. À 19, bah oui, 5,95 et là 5. Ah oui, non, 5,95, j'avais pas bien vu le prix. Non, non, c'est moi qui me trompe. Mais par contre, la farine, je la trouve pas, les loulous. J'ai pas trouvé la farine. La flotte, ouais, la flotte, on s'en fout, la flotte. Donc ça va être chaud de manger des frites. Hein. Le sac de frites de 2,5 kg. Regardez, on est sur du premier prix, hein, de la pomme de terre. Hein. Pomme de terre. De la pomme de terre. Hein. Premier prix. Au kilo, on est à 1,20 € le kilo. Conditionné par en 2,5 kg. Ouais, j'essaye de trouver tout ce qui est ce qui touche au niveau du végétal forcément. Mais ouais, la farine, j'ai pas trouvé, je sais pas ce que je trouve. Je vais me mettre un carton rouge. Les fruits, peut-être, on peut aller voir les fruits vite fait. Allez, pendant qu'on y est. Fruits ou légumes? Allez, on va aller voir les oranges. Oranges, elles sont pas d'ici. Hein. Elles sont pas d'ici, les oranges. Hein. Les oranges d'Espagne. Le filet, donc sur celle-là, on est à le filet, il est à 99 centimes. Là, d'ailleurs, on va vérifier tout de suite un truc. On va juste aller vérifier un truc. Bon, ça va, le poids, c'est pas carotté, il y a 1,36 kg. Il n'y a pas de carotte sur le... Là, on est sur de la vrac. Non, là, c'est de la clémentine. Mandarine. Mandarine d'Israël. 2,99 € le kilo. Putain, mais laisse tomber aussi. C'est des ouf. C'est des ouf. Ah, les tomates. Ah oui, les tomates. Les tomates, exact. Merci, merci Fred pour les tomates. Allez, les tomates, elles sont où? Les tomates. On s'en approche des tomates. Les tomates, quoi, des bons plans en plus, tomates. 3,99 €. Il n'y a plus rien, regardez, il n'y a rien, c'est vide. Là, 3,99 €. Waouh! Tomate cerise, il y a combien de grammes là-dedans? Il est où le poids de ce truc? Je cherche le poids, je ne sais même pas. 3,99 €, j'essaye de trouver le prix au kilo, mais je ne le trouve pas. 4 balles quoi, 4 balles. Hein. 4 balles, il y a quoi? Il y a 200 grammes là-dedans, non? Il n'y a pas le poids. 250 grammes. 4 x 4. 16 balles le kilo, ça. 16 balles le kilo. 16 balles le kilo, ça. Ça, c'est 16 balles le kilo, les amis. 16 € le kilo, la tomate cerise. Waouh. 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 Et là, ouais, on est à 3,99 €. Putain, concombre, avant, à 1 € on avait un concombre. Là, on est à 1,49 € le concombre. Ça va? Je suis en train de faire le tour de, oui, des prix. Les... Je vois ça, ouais. Mais c'est... Par contre, la farine, je ne la trouve pas. Tu sais où elle est, la farine? Oui, on l'a trouvé, ouais, c'est vers le sud. D'accord. Je vais aller voir là-bas. Les gens, ils sont hallucinés. Barquette de tomates cerises conditionnée 250 grammes, 3,99 €. 4 euros, 4 x 4, 16. 16 balles le kilo de tomates cerises. 16 balles le kilo. Mais tout a augmenté, hein, même les premiers prix et tout. Hein. Parce que moi, je me rappelle avoir pris des paquets de pâtes, le moins cher, le tout en bas, ça a plus d'un euro, quoi. Ça fait mal, là. Et c'est que le début, hein. Voilà, ben, y a des gens que j'avais pas percuté. Bon allez, on va aller voir la farine et puis on va se casser de toute façon. Carton jaune, Farida. Carton jaune. Le prochain, c'est carton rouge, Farida. J'ai vu le commentaire. Ben non, vous n'allez pas me faire tout le tour du magasin, les amis. Le riz, tant pis, on verra une autre fois. Donc à côté du sucre, la farine. Pourtant, j'y étais, j'ai mal vu. Hein. Ah mais oui, si, elle est là, bien sûr.
Ah bah ah ouais, il n'y a pas grand chose en fait. C'est ouais, ça manque un peu. Hein. Et puis il n'y a que. Il n'y a que de la Francine. La Carrefour, il n'y en a plus, 1,10€. 1,10€ le premier prix, mais il n'y en a plus. J'essaye de trouver le prix de celle-là, mais putain, les prix, c'est pas clair. Monsieur Carouf, faudrait clarifier vos prix un peu. C'est le bordel dans vos rayons. C'est le bordel. Ah si, il y en a là. Pardon, j'ai des conneries. Alors là, il n'y a plus rien. Pas de crêpes. Il n'y aura pas de crêpes. Là, on est sur... putain, il est où le prix? Farine, blé, fluide, Carrefour, 1 kg. 70 centimes. 70 centimes le kilo. Les œufs, c'est fait, ça a été fait, les œufs. Là, le 70 centimes. Allez, on va finir au riz et voilà. Enfin, voilà, l'huile, vous avez pu voir. C'est magnifique. Allez, on finit au riz, on va remonter de l'autre côté et... Ouais. Eh, le thon à l'huile, du coup, le thon à l'huile, c'est pareil, ça va augmenter, ça. Le thon à l'huile, la boîte de thon à l'huile. Le riz, il est là, ben voilà, le riz. Le riz en vrac, 1 kg. Ça tourne entre 95 centimes. 95 centimes et 1,05€. 95 centimes là, 1,05€ là. C'est cher, c'est trop cher. C'est trop cher. Et c'est que le début. Vous voyez ce qui s'annonce là? On est qu'au début. Hein. On est qu'au début. Je cherche les boîtes de thon à l'huile. Oh. Ah mais non, huile d'olive, c'est passé. 95 centimes, voilà. 95 centimes. 95 centimes. Mais il y a du stock qui commence. Il y a certains produits où il y a du stock qui commence à. Et au prix du gasoil. Enfin bref, voilà les amis. Mais après, produits corporels, je ne sais même pas quoi vous. Là, désolé. Bon, écoutez, hein, moi je rentre à la maison, j'ai fait mon taf, on pourra pas dire que je suis pas sur le terrain. Hop là. Ouais, j'espère que j'avais une petite touche. Sortie sans achat. Hop là. Bonsoir. Ouais, comme vous dites, c'est ça, c'est la guérilla, ouais. Allez, hop. Bah écoutez, les loulous, je vous avais dit qu'on irait faire un petit tour. Après, ça, j'aurais dû y aller en mode avec la calculatrice, on tapote, et puis le total est deux, mais le panier de base, il va faire mal aux fesses. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont été faire des courses l'autre coup, je ne sais plus ce qu'ils me disaient, à peu près le même genre de produit qu'ils achètent. Leur chariot, il avait pris 50 balles dans la gueule. Le chariot, il avait pris 50 balles dans la gueule. Bah, va falloir faire pousser à la maison, hein, de toute façon. Hein. Je crois qu'il va falloir... Ouais, mais tout devient cher, de toute façon. C'est horrible. C'est un truc de malade. Ah, s'il y a quelqu'un qui recherche un poste de coiffeur, là, ça recrute dans le Carrefour. Coiffeur ou coiffeuse en CDI. J'ai version originale. Je leur fais de la pub en plus. Voilà. Si jamais il y en a qui cherchent du taf. Ah merde, il y a une enceinte à se faire capter par les Warner. Là, je chauffe pas sur vous, je chauffe sur le portable. J'avais une miette. Bon bah écoute. Non, mais moi j'ai pas pris mon panier, moi j'ai pas fait de course, hein. J'étais vous montrer à vous. Voilà. Bref. Bon bah écoutez. Hop là, voilà, il fait beau, Carrouf. Nous étions donc au Carrefour K2. Nous étions au Carrefour K2. Et puis voilà.
Allez, bah écoutez les amis, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée et puis comme j'ai l'habitude de vous dire à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao!